Anne Marronnier, acceptez-vous de ne plus avoir pour époux Marc Marronnier, ici présent? Encore oui. 57 ans de mariage, 57 ans de vie à deux. Je suis Alice, la femme d'Antoine. Antoine? Antoine, votre cousin. Ah oui, Antoine. Vous êtes des amoureux? On a l'air si idiot que ça. Je suis venue te dire d'arrêter de m'envoyer tous les jours ton adresse et ton digicode par texto. Je rappelle que je suis mariée avec ton cousin quand même. Oui, mais c'est moi, je suis pas très famille. En tout cas, l'important, c'est que tu ne le rappelles jamais. Allô, Alice, c'est. Ouais. C'est Marc. T'es une salope haut de gamme, d'accord? Salope chaudasse, à mort, nymphomane. Je veux voir la langue, hein. Tu lui manges la bouche, d'accord? Carrément comme ça, regarde. Avec toi, la vie a un goût de goyave ou de papaye. Je confonds toujours les deux. Alors, j'ai lu votre manuscrit. L'amour dure 3 ans. J'adore le titre. C'est bien con. Ça fait 3 ans que nous sommes tous les deux. Ça, c'est un peu long à expliquer, mais j'ai pas parlé du livre à ma petite amie. Quel ringardise, cette espèce de pessimisme beau. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout de ta vie? Non, c'est pas moi. J'écris ce livre avant de te rencontrer. Le livre le plus misogyne de l'année, génial. Puis il est fou, ton titre. Avec toi, ça dure beaucoup moins et en plus, c'est pas de l'amour. Je vais te manquer! Forcément une femme qui a mis ça au point pour nous nuire. Bon, voilà, Cathy et moi, on... C'est quoi comme drogue que vous prenez, là? Je vais mourir, où est la fenêtre? Attends, je suis parti, s'il te plaît. Qu'est-ce que c'est que cette génération de mecs qui braillent partout qu'on leur a coupé les couilles, hein? Oui, Antoine, parfaitement, t'as un micro-pénis, oui. J'ai un micro-pénis, moi? Eh ben, si tu l'aimes vraiment, vas-y, fonce! La vie continue. Et alors? Pour aujourd'hui ou pour demain? J'ai pas que ça à faire, moi.